Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis le prophète Wilfried Assogba du ministère international de la transfiguration de Christ et de Hope TV. Bien-aimés, je viens vous inviter à un spécial programme dénommé la nuit de les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à une période très cruciale de l'année 2020 pour déboucher sur l'année 2021. C'est la nuit de la transition. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Job 38, le verset 12, « As-tu déjà donné de l'ordre au matin ? As-tu déjà placé l'aurore à sa place ? As-tu une fois commandé le jour ?» Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu nous a donné la capacité de définir notre destinée et de prophétiser sur les jours devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'on ne peut pas bâtir une maison sans bien faire la fondation. L'on ne peut pas construire un immeuble sans une bonne fondation. Nous sommes à la période où nous devons poser les pierres fondamentales de la fondation de 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens t'inviter pour cette nuit de traversée que j'appelle la nuit de les autres, où nous allons sortir de 2020 pour 2021 avec beaucoup de paroles prophétiques, où nous allons parler sur les jours, les mois de 2021, où nous allons parler à l'année 2021 de nous honorer, de nous obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu diras sur l'année 2021 que tu verras. C'est la dimension dans laquelle tu te retrouves qui définira ce qui sortira de ta bouche. Mais une chose est quoi? Je t'invite. Viens, tu es mon invité spécial. Où la grâce de Dieu qui est sur ma tête, l'onction de Dieu qui est sur ma tête, va emballer l'onction de Dieu qui est sur ta tête. Et ensemble, nous allons posséder plus fort l'année 2021 avec un cri de joie et de beaucoup de victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup font l'erreur d'entrer dans une nouvelle année ou de quitter une année précédente dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les lieux mondains. Bien aimé, c'est une grave erreur car c'est la nuit des grandes décisions, c'est la nuit des étoiles, c'est une nuit de discussion spirituelle où nous devons nous consacrer devant le Seigneur, où nous devons parler car cette nuit Dieu laisse la liberté à toute la créature de parler, de prophétiser et de posséder tout ce qui est relâché dans le règne de l'esprit. C'est la nuit où les gens perdent leur grâce, où ils souffrent dans une année. C'est la même nuit où beaucoup possèdent une année, où ils traversent une année en beauté. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses vont se passer dans cette nuit-là. C'est une nuit où nous allons utiliser l'eau de vie. Car la Bible déclare, par le bâton prophétique qui était dans les mains de Moïse, il a divisé la mer rouge où les Israélites ont pris par la mer à pied sec. Bien-aimés, c'est une nuit des actes prophétiques où nous allons poser des actes prophétiques terribles, où la terre va nous honorer, le ciel sera ouvert, où l'air sera secoué en notre faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es mon invité spécial. Le 31, déjà à 21h, nous allons commencer des grandes choses. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. L'Esprit de Dieu va agir. Le Seigneur Jésus fera quelque chose dans ta vie. Et ton retour sera une fête. Bien-aimé,
Ça va se passer à Cotonou, précisément dans le quartier Concordie. L'église se situe au bord de la voie inter-État Bénin, Togo. Bien aimé dans le Seigneur, tu es mon invité spécial. Quand tu viens, tu vois l'emblème déjà au bord du goudron. Tu entres dans l'enceinte de l'église à 21h00. Des bonnes choses vont commencer. L'Esprit de Dieu des prophètes interviendra et ton retour sera une fête. 2021 sera à ta portée. C'est ton année de grande transformation et d'impact. Sois béni, sois béni. Bienvenue sur la terre de la transfiguration de Christ, dénommée Oridjidji. Shalom chez toi.